Bonjour et bienvenue sur le canal. En suivant notre voyage dans la moitié nord du Portugal, nous visitons aujourd'hui deux autres villages historiques, Castelo Rodrigo et Castelo Mendo, dotés à la fois de châteaux et de murs, et situés stratégiquement très près de la frontière avec l'Espagne. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Castelo Rodrigo est un petit village fortifié, situé au sommet d'une colline, et qui, avec une grande valeur stratégique, domine la plaine qui s'étend entre l'Espagne et le Portugal. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un grand parking gratuit, qui dans la partie inférieure est une zone de caravane, et qui se trouve juste à côté de la villa historique. Un matin froid et brumeux nous donne la bienvenue à Castelo Rodrigo, le petit village historique qui est reconnu par l'Organisation mondiale du tourisme, comme l'un des meilleurs endroits à visiter, sur la base de la préservation de sa culture et de ses traditions. Habituellement, la visite commencerait par la Porta do Sol, mais nous préférons profiter de la vue panoramique de la situation de Castelo Rodrigo sur une colline, et admirer la muraille qui entoure la villa, qui conserve encore l'un des 13 tours qu'il avait quand il a été construit. On dit que ce sont les Vétons qui ont fondé Castelo Rodrigo, bien que les plus anciennes restes trouvées soient du Moyen Âge, étant le lieu de passage de plusieurs peuples, comme les musulmans, et le point de friction entre les royaumes de Léon et du Portugal, jusqu'à ce qu'en 1296 ce territoire soit passé aux mains du Portugal après la conquête du roi Dondini. Nous accédons à la villa par la porte de Saint John, l'une des trois portes d'entrée qui traversaient le site muré. Sur une étendue, nous trouvons le Padrão da Restauração, un monument qui invoque des moments de l'histoire portugaise dans lesquels Castelo Rodrigo a participé activement, comme la restauration de l'indépendance en 1640, et le siège survenu en 1664 et la bataille ultérieure. Nous nous trouvons au pied du château, fondé en 1209 par le roi Alphonse IX de León. En récupérant Dondini le château pour le Portugal, le château a été réformé et les murs de la ville ont été construits, étant également de cette époque la tour de l'hommage. Par la suite, au cours des 14e et 15e siècles, des améliorations seront apportées au château et au système de défense. Au 16e siècle, lorsque la couronne tomba entre les mains de Philippe II, il donna le comté à Cristóbal de Moura, responsable de sa diplomatie, qui fit construire un palais à la place du château, lieu qui fut incendié et pillé en 1640 avec la restitution de l'indépendance du Portugal, bien que la grande porte monumentale d'entrée soit conservée. À côté du château, nous trouvons la tour de l'horloge, située sur l'ancien mur de la barbacane qui protégeait le Alcazaba, où a été ajouté ce clocher, qui a à l'origine une horloge de marteau avec des poids de granit. Nous nous introduisons dans les ruelles empedrées de ce qui ressemble à un village de jouets, minuscule mais très beau, dans lequel il n'est pas nécessaire de suivre un itinéraire fixe pour en profiter. Et ainsi nous arrivons à l'une des trois entrées de Castelo Rodrigo, la porte du soleil appelée aussi porte de l'Est, parce qu'elle est orientée vers l'endroit où le soleil se lève, et d'où la plaine de la frontière avec l'Espagne est dominée. Nous sommes dans le mois de novembre, avec le brouillard et le froid, et comme vous le voyez tout est fermé, ce qui n'empêche pas de profiter de la promenade par Castelo Rodrigo, à la fois de ses belles maisons en pierre et la décoration et l'ambiance qui lui ont donné ses habitants. Nous arrivons au centre de la villa,
où nous trouvons l'église de Notre-Dame de Rocamadour, fondée au XIIIe siècle par la confrérie de frères de Notre-Femme de Rocamadour, une congrégation dédiée à l'assistance aux pèlerins qui allaient à Santiago de Compostelle, et devant laquelle nous avons trouvé un joli pelourinho. Nous continuons à marcher par Castelo Rodrigo, et sans nous en rendre compte nous passons à côté de la citerne médiévale, qui est censée être une synagogue destinée au culte, puis détruite après l'expulsion des Juifs, puis réutilisée comme réservoir d'eau. Sur notre promenade, nous pouvons trouver plusieurs maisons telles que la maison de la chaîne, qui donne le nom à la rue où elle se trouve, la maison de la miséricorde ou la maison du rabbin, et dans les portes de laquelle nous trouvons des inscriptions diverses, comme celle du numéro 32 de la rue de la chaîne où nous retrouvons une inscription hébraïque, datant de l'année 1508, et qui vérifie la présence de la communauté de juifs et de nouveaux chrétiens à Castelo Rodrigo. Et ici nous terminons notre visite à Castelo Rodrigo, un petit et précieux village historique, que nous recommandons sans aucun doute votre visite. Depuis Castelo Rodrigo en voyageant vers le sud, nous arrivons à Castelo Mendo, qui fut pendant le Moyen Âge, un lieu de grande importance historique au Portugal, en raison de sa proximité avec la frontière espagnole. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un parking gratuit, qui est situé dans sa partie inférieure pour les autocaravanes, et situé aux portes de la villa historique. La journée suit avec froid et brouillard, donc nous avons décidé de laisser à nouveau Mia dans la caravane, et nous avons commencé notre promenade à Castelo Mendo, où il semble que nous sommes les seuls touristes à la visiter. Castelo Rodrigo a une composition médiévale dans laquelle se distinguent deux noyaux, la citadelle et la barbacane. Dans la citadelle aujourd'hui se trouvent les restes du château, et en dehors des murs de celle-ci nous trouvons le Burgo Nouveau, entouré d'une muraille du XIIIe siècle, à laquelle nous accédons par l'appelée Porta da Villa, flanquée par les sculptures pré-romaines de deux cochons de granit. Nous nous introduisons ainsi dans son centre historique le plus photogénique, et où la première chose que nous trouvons est l'église Saint-Vincent, également appelée l'église de la Miséricorde et datant du XIIIe siècle. Sur la petite place où se trouve l'église, et aussi tout le centre historique, vous pourrez observer plusieurs maisons de style manuélin, comme la maison quignantiste, une maison de deux étages du XVIe siècle, avec un beau portail d'entrée en granit et en bois. Avant de nous diriger vers le centre, en face de l'église, nous tournons à droite par des ruelles étroites et pavées, avec d'autres belles maisons de style manuélin. Pendant notre chemin, nous arrivons à ce qu'on appelle l'hôpital de la Miséricorde, un logement construit dans la seconde moitié du XVIe siècle, dont il n'y a pas de preuves qui servent d'hôpital, et avec un joli dintel gravé en pierre sur la porte d'entrée, où nous pouvons lire en latin la phrase « Mon espoir est Dieu ». Très proche nous arrivons à la Porta da Garda, orientée vers l'ouest, et qui est l'une des cinq portes d'entrée du parc extérieur muré. Nous continuons parallèlement au mur qui entoure le centre historique, tout aussi petit, mais aussi beau que celui du Castelo Rodrigo. Nous nous dirigeons vers le centre, mais avant d'arriver à la Praça de Villa, nous nous dirigerons vers la cité, et par une chaussée médiévale en pierre, nous traversons les restes de ce qui a été la porte de Don Sancho, et nous accédons ainsi au vieux Burgo, dans lequel se distingue surtout l'église de Santa Maria do Castelo.
Cette église qui se trouve actuellement en ruine, a été construite dans le style roman au XIIIe siècle, s'étendant au XVIe avec la construction d'une chapelle latérale. À côté de l'église, sur une étendue, en plus de la solitaire tombe de l'Hidalgo, nous trouvons le site où le château était situé et dont il ne reste que peu de restes. Un panneau d'information nous aide à comprendre comment ce château, fondé à la fin du XIIe siècle, était à son époque, et qui conserve encore quelques restes de la tour de l'hommage, ainsi que la porte de Castellino, qui était l'accès le plus ancien au noyau du château, ou la porte dite de la trahison. Près des ruines de la tour de l'hommage, nous nous trouvons avec la roche appelée des désirs, qui selon la tradition populaire, si vous voulez que l'un de vos désirs se réalise, vous devez jeter une pierre en direction de cette roche. Si elle tombe dessus, votre désir sera accompli, et si elle n'est pas accomplie, vous devrez revenir une autre fois pour essayer de nouveau la chance, et nous reviendrons. De là, nous nous dirigeons vers le centre, et après avoir passé à côté d'un four communautaire du XVIIIe siècle, nous arrivons à la place du Pelourinho. Ici en plus du Pelourinho le plus haut de la région de la Rive, car il a 7 mètres de hauteur et qui a été construit en 1510 dans le style manuélien, nous pouvons également trouver l'église Saint-Pierre, qui, bien que construite au XIVe siècle, des reconstructions ultérieures ont effacé toute trace médiévale. Nous avons également trouvé une belle maison avec balcon portique, une autre belle maison du XVIe siècle, et appartient sûrement à l'une des familles les plus riches de Castlomendo. Et depuis les murs nous disons au revoir au beau village de Castlomendo, une autre belle ville historique, dont il reste encore plusieurs à découvrir.